Spider-Man, the situation's under control. C'est une belle journée. Hammerhead a enfin été neutralisé pour de bon jusqu'à la dernière pièce. Robotique. J'irais même jusqu'à accorder une lance de reconnaissance à Spider-Man et à Silver Sable. Après tout, ce sont eux qui lui ont porté le coup. Cependant, tandis que les médias de masse s'empressent de couvrir ces justiciers de louanges, permettez-moi de vous présenter les faits. Hammerhead ne serait jamais allé si loin si Silver Sam n'avait pas laissé traîner son équipement dans la ville. Et ne me lancez pas sur Spider-Man, qui a attisé une guerre des gangs et provoqué la mise à pied d'un capitaine de police décoré. Alors bien sûr, ils ont réglé le problème, mais un problème qu'ils avaient eux-mêmes causé. À toutes les unités, individu armé s'attaquant à un convoi de Silver Sable. Incident en cours dans le... secteur de tout Bridger. It's all good, Spidey. Don't worry about it. En possession d'un camion citerne au contenu volatile. Rendez-vous à Sutton Place. Terminé. Ok, l'entrée du repère doit se trouver tout près d'ici. C'est par là que ça se passe. David, j'ai découvert un nouveau dépôt d'Hammerhead. S'il vous plaît, faites attention. Pas de soucis.
Et qu'est-ce qu'on gagne une fois qu'on a déniché toutes les caisses? Une pizza de la victoire chez Eddie? Chez Eddie, oui. Ces pizzas vont me manquer. Comment ça, vous manquer? Me dites pas qu'il va fermer. Non, seulement je... Bref, surtout, ne vous préoccupez pas de l'acheminement. Je m'en chargerai en temps voulu. Il a pas vu venir, celle-là. Beau rêve. Bonne nuit. Spider-Man, ta main doit être toujours pour vous énerver. Attention. Allez, soyez raisonnable. Rendez ces caisses de secours si vous voulez pas prendre mon pied quelque part. On a trop d'hommes à terre. Avec les compliments du boss. Spider-Man, tout va bien? Oh ouais, comme d'hab. Mais ravi de vous entendre. Vous m'avez pas dit comment vous étiez entré à la salle internationale. Pour tout vous dire, complètement par hasard. Racontez-moi. Non, parce que les hommes d'Amered manquent sérieusement de conversation. Dans mon pays, j'étais professeur de mathématiques. Je souhaitais plus que tout ouvrir les horizons de mes élèves, leur montrer qu'il y avait quelque chose au-delà de notre village. Même quand les révoltes ont commencé, même quand les habitants ont fui le village, mes élèves ont continué à venir à l'école. Et pourtant, si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais peut-être agi différemment. Des hommes sont arrivés un matin, au début des cours. Ils étaient neufs, armés de mitrailleuses. Le belge n'est pas cédé. Ils ont fini par perdre patience et ont pointé leur canon sur moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a surgi. Qui? Silver Sable. Elle les a tous éliminés. Elle m'a sauvé. Ainsi que les enfants. Voilà pourquoi je lui dois ma vie. Pour une mercenaire sans pitié, on pourrait presque croire qu'elle a du cœur. Oui, parfois. Mais vous êtes combien? Vous pourriez pas vous en tenir en raquette comme dans les films? Le respect.
Sérieusement? Ça suffit, là! Si ça continue, j'aurai jamais assez de mandales pour tout le monde! Thank you.
les gars, vous êtes franchement à la bourre. On a dû exploser la piñata sans vous. Il est blessé.
a choisi ton jour pour nous énerver. Il m'a attrapé. Et voilà le travail. Bon, où est le chargement de David ? Et voilà. Bon, David, j'ai retrouvé une autre partie des caisses. Voici les coordonnées. Votre aide est précieuse. Ces fournitures pourraient sauver la vie de centaines de Simkariens. Pourquoi cet intérêt pour la Simkari ? J'aide les enfants de la Simkari, car je n'ai pas été capable d'aider ceux qui comptaient le plus pour moi. Encore merci d'avoir mis la main sur ces stocks. Je viens les chercher très vite. On dirait que David a ses propres démons, comme la plupart d'entre nous. On ne doit pas être loin d'une autre scène de crime. J'arrête d'appeler mon médecin et faites doubler toutes mes ordonnances. Oh, chers auditeurs, je suis à bout. Plusieurs témoins ont confirmé qu'il n'y a plus un Spider-Man, mais deux. Un seul, c'était déjà trop. Alors j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que plusieurs dangers publics se balancent à travers notre belle ville. Vraiment, j'arrête. Je crois que je vais faire une crise cardiaque. J'ai besoin de m'allonger un peu, chers auditeurs. Non, pas une ambulance. C'est trop cher. Appelez un taxi. J'ai un bon de réduction dans mon portefeuille. Ah non. Touchez pas mon portefeuille, j'arrête. Je vais faire moi-même. Les assaillants armés s'en prennent à un convoi arrêté. À tous les agents dans la zone, rendez-vous dans le secteur de Bryant. Yuri m'a dit qu'ils avaient conclu à une mort accidentelle. Intoxication alimentaire, je crois. Je ne me sens pas très à l'aise.
Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit, boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type? Je me lève, je regarde mes messages pour voir des... Je dois m'occuper, je vais me chercher à bouffer. J'essaie le régime keto, vous connaissez? Ensuite, je fais le job. Des fois ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie? Qui le boss me demande de lutter. Je suis pas mauvais d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la Magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. En possession d'un camion citerne au contenu dangereux. Agent aux alentours de Stay Village, répondez. Ok, l'entrée du repère doit se trouver tout près d'ici. Sûrement sous terre. C'est parti pour un peu de spéculation urbaine. Hey David, je crois que j'ai trouvé la dernière cache. Beau travail. Je me disais, on pourrait peut-être stocker les fournitures dans un commissariat pas loin. Histoire de les mettre à l'abri. Je préfère veiller dessus moi-même. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose? Mon visa de travail était lié à Sable International. Maintenant que j'ai démissionné, il n'est plus valide. Un simple contrôle d'identité pourrait me faire expulser. Une fois ma mission terminée, eh bien, je m'en irai. Je peux peut-être vous aider pour ce problème d'immigration. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai fait mon choix et je n'ai aucun regret. Salut les mecs! Sympa le palace souterrain! Mais gaffe au manque de vitamine D quand même!
Salut MJ, je peux te demander un gros service? Gros comment exactement? Tu te souviens de ton reportage qu'on a fait durer 3 dans la nuit? Eh ben, je connais quelqu'un qui serait tout à fait qualifié pour un poste. Il avait un visa. Il me semble que certains districts s'en allouent sur dossier. Envoie-moi plus d'infos sur cette personne et je m'en renseignerai. À l'odeur! Déjà que la rue au-dessus sentait pas la rose, mais alors là! J'ai entendu ça? Eh, ça fait un business blanc là! Je termine de vous mettre une ratée et je m'en renseigne!
C'est pas vrai. Vous savez que si vous venez tous à la fois, vous auriez moins de mal à... Hop, non, on va peut-être pas que je leur donne des idées. Acceptez-moi
On dirait que j'ai fait le grand ménage. Maintenant, je dois retrouver le stock de David. Ça doit être la cargaison d'aide humanitaire. Tu vas pleurer, Minus. David, j'ai enfin retrouvé le dernier chargement. Merci. Je vais tout confier à l'ambassade de Simkari et m'assurer que l'aide parvienne à bon port. Faites-moi signe si vous avez encore besoin d'un coup de main. C'est d'accord. Et encore merci, Spider-Man. Bah voilà. J'espère qu'MJ aura pu faire jouer ses relations.